وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, comme vous le voyez, le temps avance à grands pas et les années et les mois se suivent les uns les autres et nous nous approchons de la mort et nous ne nous en rendons pas compte. Hier encore, nous étions au mois de Ramadan et voilà qu'on est à sa porte en train d'arriver à Ramadan. Car le mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan, va entrer d'ici quelques jours. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si Allah nous laisse en vie jusque-là. Le mois de Sha'ban, comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths, il a certaines vertus, et on va en citer quelques-unes, et certaines règles à respecter pendant le mois de Sha'ban. Premièrement, dans le hadith de Usama ibn Zayd, radiallahu anhuma. Il a dit, ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner un mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, c'est un mois dont les gens sont insouciants. C'est un mois auquel les gens portent peu d'importance. Ils l'oublient. Car il est entre Rajab et Ramadan. Et c'est un mois pendant lequel les actions sont présentées au Seigneur et Maître des mondes. Et j'aime que mes actions soient présentées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Ce hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i et il a été rendu acceptable par l'imam Al-Albani, rahimahumullah. Dans le hadith rapporté par l'imam Nasa'i aussi et Abu Daoud, de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, qui a dit, il n'y avait pas un mois que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aimait jeûner comme le mois de Sha'ban. Mais tellement il aimait le jeûner, il le liait avec Ramadan. C'est-à-dire il le jeûnait presque en entier, lié avec Ramadan. Ce hadith a été rendu authentique. D'autres hadiths aussi liés au mois de Sha'ban, certaines innovations qui sont faites la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. On en parlera quand on s'approchera de ce moment-là, Inch'Allah. Mais là, on parle de ce qui concerne l'entrée du mois de Sha'ban et les règles liées au mois de Sha'ban. Donc, on peut tirer du hadith d'Usama ibn Zayd deux points essentiels. Le premier point, c'est que le mois de Sha'ban est un mois délaissé par les gens, oublié par les gens. Pourquoi ? Car il vient entre deux mois importants. Au temps des Arabes, Rajab était important car c'était un mois sacré. Et dans les mois sacrés, les Arabes faisaient très attention aux mois sacrés. Pourquoi ? Car ils ne pouvaient déclarer la guerre pendant les mois sacrés. Donc tous les Arabes, ils connaissaient les mois sacrés. Et ils y donnaient de l'importance avant l'islam déjà. Donc ils donnaient de l'importance à Rajab du fait que c'était un mois sacré. Et non pas parce que pendant le mois de Rajab, il y a des adorations spécifiques, comme toutes les bid'ahs qui sont faites pendant le mois de Rajab. Ça n'existe pas, ça, en islam. Faire une umrah spécifique pour Rajab, ou la nuit du 27 de Rajab, tout ça, ça n'existe pas. Donc, Rajab, c'était un mois sacré, et les mois sacrés, il est interdit de déclarer la guerre pendant les mois de sacré, de commencer la guerre. Donc, les Arabes donnaient de l'importance au mois de Rajab. Et Ramadan, c'est le mois du jeûne, qui a été rendu important avec l'islam. Donc, Sha'ban, il est venu entre deux mois importants. Beaucoup de gens n'y donnaient pas trop d'importance. Pourtant, c'est un mois où les actions sont présentées à Allah, comme on va le voir. Donc, le premier point à tirer de ce hadith de Usama ibn Zayd, c'est que le mois de Sha'ban est un mois oublié par les gens. Le deuxième point à en tirer, c'est que c'est un mois pendant lequel les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah.
Le fait que c'est un mois que les gens oublient ou bien sont insouciants de sa valeur, cela lui donne une valeur particulière. Car les endroits, les lieux et les moments pendant lesquels les gens sont insouciants, celui qui évoque Allah dans ces lieux-là ou dans ces moments-là a une plus grande récompense. Car il a contredit tout le monde. Tout le monde est insouciant, lui il s'est rappelé Allah. La preuve de cela, on le trouve dans plusieurs hadiths. Le premier, le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est un hadith acceptable, comme l'a dit l'imam al-Albani, rahimahumullah. Le hadith d'Omar ibn al-Khattab, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui entre au marché et qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit » وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Il lui sera inscrit 1000 bonnes actions. 1000, c'est-à-dire 1 million. 1 million de hasanat. Et on lui enlèvera 1 million de péchés et on l'élèvera 1 million de degrés. Vous avez vu la récompense énorme. Comment pour un dhikr qui paraît simple, autant de hasanat? Car dans le marché, les gens oublient Allah. Ils sont occupés avec leurs affaires, avec l'argent, avec le gain, avec le mensonge, avec la tricherie, avec la tromperie, avec la fitna. Donc celui qui évoque Allah dans cet endroit-là, il a une plus grande récompense. De même, sachez serviteurs d'Allah, que le fait d'évoquer Allah et de faire revivre les lieux et les moments d'insouciance par l'évocation d'Allah, il y a d'autres intérêts dedans. Le premier intérêt, c'est que c'est plus proche du fait de cacher ses actions. Et il est demandé en islam de cacher les œuvres surérogatoires. Comme vous pourrez le constater, les œuvres obligatoires, elles sont faites en public. La prière en groupe, le hajj en groupe, le ramadan tous ensemble, la zakat, tout ça c'est fait public. Et c'est une bonne chose de faire les obligations en public pour inciter les gens à faire les obligations. Par contre, les œuvres surérogatoires, on les cache. On a le droit de les faire en public, mais elles ont une plus grande récompense en privé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les prières surérogatoires chez lui. Et qu'il a dit que la prière surérogatoire à la maison, elle a une plus grande récompense. C'est pour cela que le jeûne, comme il est venu dans le hadith sahih, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne est pour moi, Allah Ta'ala dit, le jeûne est pour moi, et c'est moi seul qui en donne la récompense. L'ostentation entre moins facilement dans le jeûne, car ce n'est pas visible. Si la personne n'en parle pas, personne ne sait qui la personne, elle jeûne ou elle ne jeûne pas. Donc c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit en parlant des sadaqat, des dons autres que la zakat, si vous montrez vos aumônes, c'est une bonne chose. Mais si vous les cachez et vous les donnez aux nécessiteux, ceci est meilleur pour vous. Ceci est meilleur pour vous. De même qu'il a été rapporté que certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, jeûnaient pendant 40 années sans que personne ne soit au courant de son jeûne. Il sortait de chez lui avec deux morceaux de pain. En faisant penser à son épouse et aux gens chez lui qu'il allait les manger à son travail, à son marché. Mais sur la route, il les donnait en aumône aux nécessiteux. Et les gens du marché croyaient qu'il mangeait chez lui. Donc chacun d'entre eux croyait qu'il mangeait à l'endroit où il n'y était pas. Et lui, pendant ce temps-là, il jeûnait et il cachait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier intérêt de faire revivre les moments d'insouciance par l'évocation et l'obéissance. Le deuxième intérêt, c'est que les moments où les gens sont insouciants, faire une obéissance est plus lourd pour l'âme bestiale, est plus difficile, demande un plus grand sacrifice. Quand tout le monde jeûne, c'est facile de suivre. Quand tout le monde prie, c'est facile de suivre. Mais quand tout le monde oublie, et toi tu jeûnes, et tu pries, et tu donnes, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir plus de difficultés à faire une obéissance,
et qu'il y ait plus de fatigue à obéir à Allah, il y a une plus grande récompense en cela à une seule condition. C'est que cette œuvre soit dans la sunna. Ça veut dire que quelqu'un ne va pas chercher à se rajouter de la fatigue ou de la peine dans une adoration dans laquelle Allah ne lui a pas demandé de se rajouter de la fatigue et de la peine. Ça, c'est la religion des bouddhistes. C'est pas notre religion à nous. Par contre, si pour accomplir une œuvre qui est dans l'islam, qui est légiférée, qui est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas devoir supporter de la peine et de la difficulté, alors sache que tu en auras une plus grande récompense du fait que tu as supporté une peine pour cela. La preuve de cela, c'est dans le hadith où Aïcha radiallahu anha, quand elle a fait sa umrah avec son frère, quand ils ont fait le hajj, elle a raté la umrah à cause du fait qu'elle avait ses menstrues. Alors à la fin, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, tout le monde part avec une umrah et un hajj et moi je pars juste avec un hajj. Alors il lui a dit, sors au hil, sors aux limites du haram, c'est-à-dire aux limites des limites sacrées de la Mecque et reviens. Il lui a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Tu auras autant de récompenses dans ta umrah que tu te fatigues, autant de récompenses que tu te fatigues et autant de récompenses de l'argent que tu dépenses pour la faire. Aussi, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces personnes qui viendront à la fin des temps, qui auront du mal à tenir leur religion comme ceux qui tiennent une braise dans la main, comment il les a appelés, le ghuraba, les étrangers, car ils seront vus comme des étrangers. Qu'a-t-il dit en parlant d'eux? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura derrière vous des périodes de patience. Celui qui s'accroche à sa religion pendant ces moments-là, il aura la récompense de 50 martyrs parmi vous. 50 martyrs parmi les sahabas. Celui qui s'accroche après eux à sa religion. Ce hadith, il a été rendu authentique dans Sahih al-Jami. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis ou bien une récompense, un arbre au paradis soit pour les étrangers, que Touba soit pour les étrangers. Ils ont dit au messager d'Allah, qui sont ces étrangers? Il a dit, ce sont des gens pieux au milieu de beaucoup de gens mauvais. Ceux qui leur désobéissent sont beaucoup plus que ceux qui leur obéissent. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration d'Allah en période de trouble et de guerre, c'est comme faire légir la hijra vers moi. C'est-à-dire que quand il y a des troubles, des guerres, des fitnas, des difficultés, la personne qui adore Allah dans ces moments-là, c'est comme il a la récompense de ceux qui ont fait la hijra vers le Médina, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam muslim. En parlant maintenant des œuvres qui sont présentées à Allah pendant le mois de Sha'ban. Sindi, dans son explication de Sunan al-Nasa'i, a dit, concernant ces œuvres qui sont présentées à Allah, il dit, on va demander... Comment on peut dire que les œuvres sont présentées à Allah le mois de Sha'ban, une fois par an, alors qu'il a été prouvé dans les deux authentiques, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, que les œuvres sont présentées, les œuvres de la journée sont présentées à Allah la nuit, et les œuvres de la nuit sont présentées à Allah la journée, chaque jour. Donc, Allah Ta'ala, les œuvres, elles lui sont présentées chaque jour. Alors il a répondu à cela, on peut répondre à cela de plusieurs manières. Premièrement, c'est qu'elles sont présentées à Allah tous les jours effectivement, mais elles sont représentées aussi toutes les semaines, tous les lundis et les jeudis. Et elles sont présentées aussi une fois par an, présentation après présentation pour une sagesse qu'Allah Ta'ala seul sait. Il dit ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est que les œuvres de la journée sont présentées en détail, puis les œuvres de la semaine avec moins de détails, et les œuvres de l'année avec moins de détails. Ou bien le contraire, les œuvres de l'année sont présentées en détail, et les œuvres de la semaine avec moins de détails, et les œuvres de la journée avec moins de détails. Tout ceci est peut-être une explication pour comprendre tous ces différents hadiths qui pourraient en apparence se contredire, mais qui ne se contredisent pas en réalité. Donc,
à savoir qu'il a été prouvé que les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala la nuit de la moitié de Sha'ban, sauf qu'il n'est pas légiféré de faire le qiyam, prier la nuit ou jeûner ce jour-là spécifiquement. Et on va savoir, inshallah, dans une prochaine Jumu'ah, quand on s'approchera de cette date-là, quel est le statut des hadiths qui parlent de ce point-là et que faut-il faire et que faut-il ne pas faire en cette journée-là ou dans les nuits du 15 de Sha'ban. C'est-à-dire, il n'y a rien de spécifique. Pour celui qui ne viendra pas, qu'il sache qu'il n'y a rien de spécifique à faire. Non. Pour finir, il y a un hadith sur lequel les savants ont divergé sur son authenticité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus jusqu'à ce qu'entre le mois de Ramadan. » Certains savants ont rendu ce hadith faible. Pourquoi ? À cause de deux autres hadiths. Le premier, c'est le hadith où dans le Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne devancez pas Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours avant lui. » Et le hadith de Aïcha qu'on a cité au début, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban jusqu'à le lier avec le mois de Ramadan. En apparence, ils se contredisent. Donc c'est pour ça que certains savants ont dit ce hadith qui parle de la moitié, après la moitié du mois de Sha'ban, on ne jeûne plus, il est faible. On le délaisse. On a le droit de jeûner jusqu'à un ou deux jours avant Ramadan. C'est-à-dire, on ne jeûne pas seulement Yom Meshach, le jour du doute. D'autres savants ont rendu authentique ce hadith. Et ils ont dit, il n'y a pas de contradiction. Mais ce hadith interdit de commencer le jeûne après la moitié de Sha'ban pour celui qui n'avait pas jeûné déjà la première moitié. C'est-à-dire, celui qui n'a pas jeûné les 15 premiers jours de Sha'ban, il ne commence pas à jeûner exprès à partir de la deuxième moitié. Ça, c'est un. Deux, celui qui a peur d'être trop faible, il a une santé faible, fragile. Et s'il jeûne la deuxième moitié de Sha'ban, après il jeûne Ramadan, cela risque de l'affaiblir et de rompre le jeûne pendant Ramadan. Alors celui-là, lui est aussi détestable ou interdit de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban, mais il lui sera plutôt demandé de se reposer pour pouvoir bien jeûner le mois de Ramadan. En dehors de ces deux cas, c'est légiféré et même recommandé pour celui qui peut de jeûner presque tout le mois de Sha'ban, sauf un jour ou deux jours avant Ramadan. Hein. Mais il pourra jeûner les jours qu'il veut et délaisser les jours qu'il veut. Ce n'est pas obligatoire s'il commence certains jours de Sha'ban de finir tous les autres jours de Sha'ban, par exemple. Il peut jeûner que le lundi et le jeudi, ou un jour sur deux, ou bien quatre jours, puis se reposer un jour. Il est libre en cela. C'est selon son choix, il n'y a pas une obligation ni une recommandation précise en cela. Donc, barakallahu fikoum. Le mois de Sha'ban va entrer d'ici quelques jours et vous savez tous que quand on rentre dans une adoration, si on ne l'a pas bien préparée, on l'oublie. Ceux qui ne jeûnent pas bien le mois de Sha'ban, qui ne se préparent pas pour l'entrée dans le Ramadan, qui ne jeûnent pas le jeûne de Shawwal derrière, que vont-ils présenter à Allah s'il y a un manquement dans les jours de mois de Ramadan? Un manquement dans les jeûnes du jour obligatoire. Avec quoi ils vont combler ce manquement? Car vous savez tous que tous les manquements qu'il y a dans les obligations seront comblés par les œuvres surérogatoires. La salat, s'il y a des manquements dans la manière d'avoir fait la salat, ou dans ses piliers, ou dans ses obligations, alors on va regarder nawafil, les prières surérogatoires, pour combler le manquement de l'obligation. Pareil pour le jeûne, pareil pour la zakat, pareil pour le hajj, pareil pour toutes les obligations de l'islam. Donc, serviteur d'Allah, il ne faut pas juste s'en tenir aux obligations et se dire « je fais mes obligations » et délaisser les œuvres surérogatoires. Celui qui fait cela, shaitan l'a trompé. Car en vérité, il va se retrouver devant le Yom al-Qiyamah avec ses obligations manquantes. Et il n'aura rien pour combler ses manquements dans ses obligations. Alors, profitez de cette entrée du mois de Sha'ban pour jeûner et pour se préparer pour le mois de Ramadan et faire partie de ceux, quand nos œuvres seront présentées à Allah, de faire partie de ceux que nos œuvres sont présentées à Allah alors qu'on est en état de jeûne. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبلغنا رمضان وأن يكتبنا من عتقائه من عتقاء الرحمن في شهر رمضان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما